see your face again. Cause you were loving, yes, you were loving somebody else. And then you and yes, and you couldn't control yourself. J'étais passionné par cette maîtrise du trait. La peinture est venue beaucoup plus tard. Ma première formation était une formation de photographe. Puis j'ai enchaîné avec d'autres activités plus d'ordre professionnel, commercial, dirons-nous. Et lorsque j'ai eu envie de me mettre à peindre, bien sûr, ayant cette maîtrise du trait au départ, ça m'a grandement facilité les choses et tout a fonctionné très rapidement. I think you know, yes, you know what's going on. Cause the feelings in me are burning strong. Be a stepping stone. Take it all or leave it alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my own. You just call me up from time to time. And we je faisais beaucoup de croquis au téléphone. Quand j'allais dans des réunions, je faisais les gens en caricature. Un copain, là, en regardant la théière, il y a vu une allusion que je n'avais pas vue moi-même. Je la vois, monsieur. Il a vu une petite culotte, mais j'ai pas du tout pensé à ça, hein, je suis pas obsédé. Hein. Mon compagnon, c'est les lutins, et moi, c'est... Les lutins, c'est mon compagnon. Oui. Et les petits personnages, c'est un mauvais soir, derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. Je me cache sous la table, le chat me griffe un peu, ce tigre est indomptable et joue avec le feu. Les pantoufles de grand-mère sont mortes avant la nuit. Dormons dans ma chaumière, dormez. Enfant, je m'appelle, en Argentine, je devais avoir 7-8 ans et j'avais commencé à faire une bande dessinée inspirée des Corto Maltese de Hugo Pratt. Et en même temps, j'ai fréquenté une école d'art où on faisait des dessins avec, à l'époque, un vieux maître italien qui nous rabattait les oreilles avec la lumière, l'ombre, la lumière, la sombre, la sombre. Et donc, j'ai toujours gardé ça. Et pendant ma période de musicien, jusqu'à maintenant, et ça m'est arrivé de dessiner des affiches pour mon groupe quand j'étais à Paris, dont j'ai toujours travaillé différentes techniques. Donc. Le tour du monde en 80 tables. Las Palmas, Paris, Bogota. Il y a Bombay, Kaboul, le Cap, la banquise, c'est Oslo. Je chante pour passer le temps, petit, qu'il me reste de vivre. Comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. Allant ces cailloux sur étang, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles pleins des oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des rêves. Allons, que ces lois se dénouent, comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir des nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons, que ces lois se dénouent. Fait l'éclair de lune pour nos palais et nos statues. Les nuits tombent.
fifth spell. Rumor, misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time. Thank you.
les feuilles elles sont comme ça. Mmh. Vous en avez peut-être dans votre jardin. Mmh. C'est fort probable. Ouais. Voilà. Alors, il y en a deux majoritaires qui sont pas mal dans le jardin, c'est la renoncule rampante et la renoncule bulbeuse. La bulbeuse, c'est facile, quand vous mettez un coup de bêche, vous sortez, vous avez comme des bulbes en fait au niveau des pieds. Voilà. L'autre n'en a pas, mais elle a tendance à vraiment s'étaler. Elle fait des tapis, quoi, carrément. Voilà. Ça, c'est une plante qui signifie le reproche, la renoncule. Voilà. Le reproche. Voilà. Donc, quand vous offrez, c'est... Tiens, t'as pas été sympa là, enfin, ça, c'est un peu... Non, mais voilà. C'est, un bouquet de renoncule. C'est une plante qui signifie le reproche. Voilà. C'est une plante aussi qui est indicatrice de pas mal de choses, et notamment que c'est humide, qu'il y a de l'eau. Oui. Clairement. En fait, dans votre sol, vous avez de l'air, un petit peu. Le problème, quand c'est très humide, en fait, c'est que ça va chasser l'air de votre sol, entre guillemets, et toutes les bactéries qui sont aérobies, c'est-à-dire qui ont besoin d'air pour fonctionner, elles ne fonctionnent plus. Et quand elles ne fonctionnent plus au niveau de votre sol, il y a des choses qui ne sont plus assurées. Donc forcément, il y a des plantes qui ça ne va pas leur plaire du tout. Donc quand vous avez cette plante-là, vous savez que vous avez de l'eau. Donc, il faut mettre des plantes, entre guillemets, qui vont apprécier ça. Voilà. Parce que vous n'allez pas pouvoir lutter contre indéfiniment, en fait, le fait que ça soit humide, à moins de casser le mur. Enfin, vous voyez, en fait, il faut accepter ça. C'est plus, ça nous indique que c'est comme ça. Donc, nous, il faut qu'on fasse des plantations qui vont dans ce sens-là, entre guillemets. C'est ça que ça veut dire. Le patron connaissait la musique, il aimait le son des écus. Il disait à sa fille unique, fuis l'amour, c'est du temps perdu. Mais un soir, la mère faisait rage, on vit entrer un étranger. Aux yeux d'azur sans nuage, c'est alors que tout a changé. Déesse de la terre aztèque, ouais. Que j'ai mis dans son, ouais. Dans son hamac mexicain. Ouais. Une exposition qui s'appelle Face à la Terre. Le sujet, en fait, c'est sur la terre, autant le matériau que la planète. Et puis, j'ai fait une quinzaine d'images originales dessus. C'est remonté de textes, en fait, que j'ai répertoriés. J'ai fait un reportage entre le 14e et le 17e siècle. Et puis, j'ai ramené des témoignages. C'est un peu la facette humaine à terre. J'ai pensé à paysans, donc j'ai été répertorié un peu. Enfin, j'ai été recherché des témoignages et de la vie des paysans de cette époque-là. Et par thème, donc il y a le loup, il y a la peste, il y a les sécheresses, il y a les conditions climatiques, il y a les guerres, il y a les gendarmes en deux mots qui en fait attaquaient les villages. Voilà, donc ça donne toute une dimension, et comme c'est mis en scène dans un contexte d'un jardin très 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 vert, j'ai essayé d'intégrer tout ça dans... Papa, c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qu'avait son domicile à Belleville. Le soir, avec sa petite famille, il redescendait en chantant des hauteurs de la courtille. Aménil, montant. Il buvait si peu qu'un soir, on l'a retrouvé sur le trottoir. Il était crevé, bien tranquille, à Belleville. On l'a mis dans la terre glaise pour un prix exorbitant, tout en haut du Père Lachaise. Aménil, montant. Depuis, c'est moi qui ai le souteneur naturel à ma petite sœur, qui est l'amie de la petite Cécile à Belleville, qui est soutenue par son grand frère qui s'appelle Éloi Constant, qui a jamais connu son père. Aménil, montant.
Ma sœur est avec Éloi, dont la sœur est avec moi. Le soir sur le boulevard, je la refile à Belleville. Comme ça, je gagne pas mal de braise. Mon beau-frère en gagne autant, puisqu'il refile ma sœur Thérèse. À Ménil, mon temps, à Ménil, mon temps. À la weya, José Maria, por las pompas heladas, cardos y ortigas. A la weya, cortando campo, no hay cobijo ni funda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, Rosita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño, a la huella, José María. Con un dios escondido nadie sabía.